Que cherches-tu vraiment? Que cherches-tu réellement? Je t'invite à continuer les activités que tu es en train de faire ou peut-être te poser. En tout cas, à prendre du temps avec toi-même et laisser émerger cette question à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que je cherche réellement dans ma vie? Qu'est-ce que je désire réellement? Et le simple fait de l'écouter, je peux ressentir ce qui se passe en moi. Je peux écouter ce que mon corps me dit quand j'entends « Que cherches-tu réellement ? Et qu'est-ce que je veux vraiment ?» Est-ce que je cherche quelque chose ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que je cherche ? Est-ce que je cherche quelque chose pour que je puisse aller mieux ? Est-ce que je cherche quelque chose qui pourrait changer ma vie ? Et si moi je te disais, écoute simplement ce qui se passe là maintenant, dans le « qu'est-ce que je cherche aujourd'hui ? Qu'est-ce que je cherche vraiment ?» Il n'est pas si évident que ça, d'écouter cette voix au fond de nous. Car quand je cherche, cela rassure, car ça vient de l'extérieur, je cherche quelque chose. Et si j'arrête de chercher, à quoi, à quoi je me raccroche? Et ça fait peur. Et moi je t'invite là maintenant d'imaginer d'arrêter de chercher. Et si ce que je suis là maintenant était parfait? Et si aujourd'hui, maintenant, j'arrivais à voir que tout était parfait, que tout va bien, que tout est parfait. Est-ce possible pour moi de voir cela? Ou alors peut-être des peurs sont en train de me submerger, des peurs sont en train de m'arriver, ou des sensations dans mon corps. Peut-être, je dis bien peut-être, tu as encore besoin de chercher. Et nous chercherons toute notre vie. Mais plus je prendrai conscience que j'ai besoin d'arrêter de chercher, que tout ce que je suis est parfait déjà là maintenant, et que si je cherche, c'est parce que je veux changer quelque chose en moi. C'est parce que quelque chose en moi ne me convient pas. On m'a fait croire que je n'étais pas parfaite. On m'a fait croire que ce que je suis, ce n'est pas bien pour la société. Que ce que je suis ne correspond pas aux normes de la société. Et si je te disais qu'il n'y a que toi qui peux te donner cet accord d'être parfaitement qui tu es et d'aimer ce que tu es là maintenant, en ne voulant rien changer, et n'y rien chercher. Je t'invite à ressentir ce qui se passe en toi en écoutant ces mots. Je t'invite à voir ce que ça se raconte. Peut-être des émotions, peut-être des sensations. Et alors, est-ce que je peux juste prendre le temps avec ce qui est là, en moi, car personne ne fera à ma place. Je dis bien personne ne fera ça à ma place. Il n'y a que moi qui puisse faire quelque chose pour moi. Et là, en écoutant cet audio, tu te donnes l'espace d'écouter ce qui se passe en toi. Tu te donnes l'espace d'aimer ce que tu cherches à chercher, ce que tu cherches à changer.
Regarde, ne fais rien, écoute. Écoute pas, juste là, dans la présence. Juste là, dans la présence. Qu'il y ait de la respiration, qu'il n'y en ait pas, je ne contrôle rien. Je laisse faire ce qui est, sans vouloir faire quelque chose, car il n'y a rien à faire. Regarde juste, maintenant. Et quoi qui puisse se passer là maintenant pour toi, mets ta main sur ta poitrine, mets ta main sur ton ventre et juste accompagne ce qui est là. Prends le temps sans rien vouloir changer. Que ça respire lentement, que ça respire fortement. Laisse faire, car il n'y a rien à contrôler justement. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à chercher. Alors je te repose la question. Que cherches-tu vraiment? Je vais te répondre. Ce que je cherche en fait, c'est moi. Je me cherche moi. Je cherche à m'aimer. Je cherche à me comprendre. Je cherche à accepter ce que je suis. Mais pour cela, j'ai besoin de comprendre que ça passe par moi. Et peut-être, j'ai besoin des autres encore, et j'aurai toujours besoin de l'autre. Mais il est important de puiser la source en moi, de puiser la source dans mes émotions, de puiser la source dans mes sensations du corps, car cet outil merveilleux, les émotions. Les émotions sont la clé, la porte d'entrée à ce que à laquelle je peux créer quelque chose de plus juste pour moi, quelque chose de plus ancré, de plus sincère. Alors que les émotions soient là ou pas, je ne cherche pas à les rencontrer, parce qu'elles sont déjà là. Elles sont déjà là. Soit par la sensation du corps, soit par le ressenti réel des émotions. Alors je leur donne l'espace. Car n'oublie pas, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux te donner cela. Belle écoute. Et n'oublie pas, que dans ce silence, il y a plein d'amour pour toi. Il y a plein de respect pour toi. Dans ce silence, il y a toutes les solutions. Merci.